Oui. Boyoul! Le mec est enthousiaste à l'idée de lancer. Ah, j'ai pas pris la lampe d'appoint. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On est dimanche matin. Je ne ferai pas le Final Fantasy, je le boude. Je reviendrai dessus cet après-midi quand on fera les camions, parce qu'on bavardera toute l'après-midi. Autant je garde tous mes sujets de conversation. Là, on va faire de l'Operation Body Count. C'est vrai qu'au niveau de ma tronche, je suis obligé de l'admettre. Ah, je fais bouger la webcam. Je suis obligé de l'admettre que vous me voyez oh, pas super bien éclairé. Encore que quand je joue, ouais, je regarde comme ça. Ouais, on voit. Ouais, c'est passable. C'est passable. Allez, je vais pas m'acharner. Que je me plante pas de scène. Vieux FPS 3D rétro, c'est comme ça normalement. Non, la bonne scène, c'est celle-là. Ah! Je voulais moucher un dernier coup pour. Avant de démarrer. Bah, loupé. Bien fait pour ma tronche. Voilà. Mais moi, j'ai besoin de voir mon chat. Hydraté, j'impose le chapeau de mon choix. Oh merde! T'as pas perdu du temps? Tu veux le chapeau de cow-boy? Si, j'ai le chapeau. Si, j'ai le chapeau de cow-boy. Il y a des moments où je le sortirai. Enfin, je retirerai le chapeau de cow-boy. Pourquoi? Parce que. Merde, attends, je fais des bêtises. Ah. Parce que. Il fait un peu bobo. Il est dur. J'ai l'impression d'avoir un pot de fleurs sur la tête, là. Ça te marque le crâne. Attends, bah du coup j'ai emprunté pour honteusement me moucher. J'ai merdé plein de trucs une nouvelle fois ce matin au départ. Bah là j'ai oublié de brancher mon périphérique de jeu parce que je voulais détendre les câbles. C'était en sac de nœuds, enfin une horreur. Je n'ai même plus de mouchoir. Si j'en ai un là, honteusement. Et mon chapeau de cow-boy, je vais aller le chercher. J'ai fait tomber mon périphérique de jeu. Ouais! Ah merde! Il est retourné comme une crêpe au sol. Ah, nul le mec. Attendez, il est là le. Burp. Excusez-moi. Alors, c'est là où on reconnaît que c'est de la marque et de la qualité, parce que c'est son 10e ou 12e gadin, et il est toujours intact. Mais à mon avis, il a vraiment été conçu pour. Il a été pensé pour se casser la binette. Enfin, sauf que j'arrive pas à le réassembler à chaque fois, mais bon. Si, c'est bon. C'est du génie. Alors, attends, je mets la poterie là. Je m'installe. Ah! Je fous des beignes. À tout et n'importe quoi. Alors. Ah mon Dieu. Je sais pas si. Non, alors s'il me fait mal, tu sais, ce que je peux faire pour le garder, c'est j'interpose la peluche. La perruque de blond. Et là, c'est sympa. Je le ferais peut-être pour le camion, de mettre la perruque de blond par-dessus. Mais ça va me faire suer du crâne. Enfin, ça va, c'est pas encore l'été, mais. Alors, tu vois, l'été, je pourrais plus mettre ma perruque de blond, je crois. Ou à peine une heure, parce que. J'ai eu des dégoulines de sueur après. Alors!
Je sais même plus où j'en étais. J'étais pas très loin de la fin, hein. Il y a 40 niveaux et je dois être au 35e, un truc comme ça. C'est ça, exactement, je suis au 35e. Oh, cette musique. Je sais plus comment j'ai dit. Comment j'y joue? Je sais comment. Normalement, j'avais tout sous la main pour jouer. Ah, comme ça. C'est pas qui. T'as le bug. Oh le carnage, j'en ai déjà battu 11, 12, 13, 14. Oh là là là. Je vais finir par être en manque de munitions. 17. Apparemment, ce serait bon. Tu vois, je vais me saisir de mon mug et boire, ils vont m'abattre. Bonjour, LG Club. Trop level au bar. C'est symétrique ou pas? J'ai pas l'impression que ce soit symétrique. Oh la vache, il y a du monde là-bas. On voit qui bouge à travers la baie vitrée. Là, on a un balcon. Oh! Il y a un gros Rambo. Il est mort, le gros Rambo. C'est qui lui? Wow! Wow! Oh la vache! Ah ouais, tu sais. Non, je peux pas ouvrir, c'est pas un passage secret. C'est open bar! Ouais! Je suis pas sûr d'avoir vécu. Ah si, c'est terminé. Non, non, je l'ai mortellement touché, le gars. Il est mort. Comment je fais pour atteindre ça va être le fond du coup. Oh, c'est bizarre. Là c'est un petit. Ah c'est des petites chiottes. Ah, il y a quelqu'un aux chiottes. Il essaye de me la faire à l'envers. Petit malin. C'est vrai que les munitions ça finit par être chaud. Parce que j'en ai plus tant que ça. Elle est trop sensible, la souris. Ah! Dans l'autre, il y va torse nu. Ah, vraiment la Rambo, le gars il s'y croit. Par là. C'est pas ses muscles qui vont parer les balles. Hein. Parce que vous avez remarqué que je l'ai abattu avec une aisance déconcertante. Bonjour Dorota, comment que ça va? Au moins ça va tranquillou. La 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 la.
Oh mon dieu. Ah oui, j'ai un truc qui frotte quand je joue à la souris. Oh! Oh la vache! J'en suis déjà à 38 hommes abattus. Le boxon. Ils sont là! Chez la guerre thermonucléaire. Au, qu'est-ce qu'il me tire dessus? Ah, il y avait du monde là-bas. Il y avait du monde dans le Chuara. Ba. 48 morts. Carnage. C'est un carnage. Ouais, ça va très bien, c'est cool. Mais l'ambiance était bonne chez toi hier soir là avec ton Dying Light 2. Alors je t'avouerai que je regardais pas pour pas me divulgâcher, parce que à terme je pense me le faire. Mais j'écoutais, j'étais en mode radio si tu veux. C'est bien, ça me permettait de faire des manips en même temps. Oh, je vous raconterai mes misères en informatique de la semaine tout à l'heure quand on fera du camion dans l'après-midi. J'aurai pas mal de trucs à vous dire. Bonjour Tunsen. Merde, je me fais abattre bêtement. Attends, je suis surpris parce que j'ai réussi à faire sortir mon curseur de souris de la fenêtre de jeu. Normalement, je devrais pas pouvoir. Je sais pas comment j'ai fait mon affaire. Ça m'a cassé dans mon rythme de jeu. Ah ! Oh la vache. Hombre de mes deux. Ah, il est costaud quand même. Ah, c'est pas... Wow! Qu'est-ce que c'est que cette config de mort? Non. Ah! J'allais dire surtout ne meurs pas. Oh, chez la ville! Oh, je l'ai de dos. Putain, je tire dans le mur, le mec il réagit pas. Je vise tellement mal que. C'est encore la scène comique de film, le gars qui s'est pas visé et qui est à 1 mètre de sa cible mais qui lui trace la silhouette au pistolet mitrailleur sans jamais le toucher. La 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 la. Oh putain. Il y a un sou. Oh voilà. Oh, ils sont vicieux ces concepteurs de niveau et il y a un passage secret dedans. Je vous l'affirme, je le lis à la carte, il y a un passage secret là-dedans, il y en a un qui se coulisse de mur. Il est où le mur qui coulisse? Il est où? Non, ça coulisse pas. Et ils ont fait un truc creux qui coulisse pas. Hérésie. C'est scandaleux, ils m'ont fait mentir. C'est honteux. Oh. Débuseur dit. Ah! Qu'est-ce qu'il me tire dessus? D'où sort lui? Il faudra que j'aille au chiottes pour récupérer de la santé, moi. Là, mon perso, il est en train de pisser le sang. What? On est d'accord, j'ai fait balcon, hein? Je sais plus. Oui, un carnage épouvantable. Oula, ma couscous au petit-déj. Remarquez, j'ai jamais fait, j'aimerais essayer un jour faire un véritable breakfast, c'est-à-dire le petit-déj à l'anglaise. Vous savez, avec l'œuf sur le plat, le toast de je sais plus quoi, bien gras. Il paraît que c'est bon pour la santé en plus, ça donne de l'énergie à mort dès le début, pour la journée. Faudra que j'essaye. Je sais pas, peut-être que finalement un jour dans la vie j'aurai peut-être l'occasion d'aller au Royaume-Uni. Et si c'est le cas, je demanderai un authentique breakfast. J'ai une connaissance comme ça. Il était très gourmand et en fait il visitait. Visitait les pays, mais il était globe-trotteur de la table. Il voulait goûter tous les plats. Je déconne pas. Ça me fait marrer rien d'y penser.
C'est pas con, c'est une manière d'apprécier la vie. On pourrait presque parler d'une philosophie. Voilà, je vais clamser. Il y a le Rambo du balcon. On va mourir, le Rambo du balcon. Il est mort. 67 morts dans l'étage. Oh. Oh, et c'est pas fini. Oui, c'est vrai, je suis pas dans le vert. Tant que j'ai la pastille qui est pas verte, c'est-à-dire qu'il y a encore des terroristes à zigouiller. 69 morts. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il y a encore du monde. Et ils sont pas tous morts. Non mais c'est du délire. 'Là, ce qui me rend un peu nerveux, c'est que j'ai pas le thermo-truc. Le détecteur thermique, donc je peux pas. Enfin, encore que tu me diras, il serait immobile. À mon avis, ma dernière cible elle est immobile. Il faut que je retrouve les chiottes. Ah, attends, il y a un mur qui coulisse là, apparemment. Si je peux avoir du. Oh, des munitions, c'est bien, mais là j'ai besoin de vie. Là, je sais plus où sont les chiottes avec les trousses de secours. J'avais des sanitaires avec des... Ouais. Avec des trousses de secours. Mais tiens, justement, toi qui aimes bien gérer la culture anglo-saxonne, et pas que, et AJ, toi, t'as déjà goûté un authentic breakfast? Alors, je sais pas si t'as eu l'occasion d'aller au Royaume-Uni, mais... Merde, mais où sont les sanitaires? Le niveau est tellement bien foutu que je suis perdu. Les sanitaires. Non, jamais, ça me fait pas envie. D'accord, ok. Okidoki. C'est The Corridor. Ah. Oh, sympa. Où étaient les chiottes? Ah, les chiottes étaient là. Ah ouais, là il me faut de la santé, là, monsieur. Ah, le mec, il sort de l'étage, il est recouvert de... comme une momie. Tellement qu'il pisse le sang de partout. J'ai la guerre. Tiens, j'ai pas fait ici. Ah, c'est l'escalier. J'ai la symétrie des escaliers. Putain, je le crois pas. Vous le croyez, vous? J'ai pas battu tout le monde. Ah merde, la pièce que j'ai pas faite, elle est à l'opposé. Je viens de la voir sur la carte. Faut que je refasse tout le tour. Fish and chips. Est-ce que j'ai déjà savouré un fish and chips? J'ai un doute parce que j'ai mon... Encore une fois, pardon, je suis encore référence à lui, fait mon papa. Quand j'étais enfant, il avait eu un bon pote. Ah non, je me suis trompé, c'est pas la pièce là. Il avait un bon copain qui était anglais. Et... Par rapport à son boulot, quoi. L'anglais avait été dépêché de Londres, il avait une spécialité, je sais pas laquelle, dans les années 90. Et... Il l'avait pas mal influencé au niveau des idées de Miam. Et je pense que... Ah, ça fait du bien, ça. Je pense qu'il a peut-être expérimenté l'authentique fish and chips. Mais est-ce que j'en ai mangé, moi? J'en ai pas de souvenir conscient. Du moins du plat. Du copain anglais, si, il était marrant. Attendez là, je piche plus là. Il est où l'ennemi que j'ai pas liquidé?
Alors là, je suis largué, les copains. Attends, il est où le gars que j'ai pas... Je suis en train de regarder méticuleusement la carte. Enfin... De la refaire, de la revisiter méticuleusement. Ah non mais sérieux, là je pige pas du tout. Bon là je suis à fond dans la santé. D'ailleurs, hey, j'ai pas eu le réflexe de sauvegarder. Ouais, je vais encore sauvegarder dans le ciel. Continue. Oh 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 oh! Il y a un. Attends, j'ai loupé un passage ou quoi? Ah non, non, c'est la porte que j'avais faite, ok. D'accord, le balcon, je l'ai fait, je l'ai pas zappé celui-là. Non, ah si, je l'ai zappé! C'était lui! Vous voyez, comme quoi? C'était un angle de balcon à la noix. Dès le départ. Eh bien, on fait la suite. Wow. Wow. De voir un mur comme ça en carrelage, ça sent pas bon. Dans le sens que c'est un labo. Il doit y avoir plein de clones. Des drones de plafond là. Des araignées mécaniques qui te. Sérieux? Ils ont muré l'arrivée. Ils ont condamné l'étage. Voilà. Je crois que c'est le niveau dont je vous avais parlé. Celui que je redoutais où il y a plein de drones au plafond. C'est celui-là. Regardez-moi ça. Oh la vache. Ah, il y a quand même un homme. Mais chaque intersection peut être piégée. C'est quoi cette guerre? C'est scandaleux. Waouh! Il tire à travers les vitres, quel salopard. Bon bah on y va. Oh là là, je me fais allumer. Je faisais un 360 sur moi parce que je me demandais s'il n'y en avait pas qui. Donc c'est bien, je peux tirer à travers les baies vitrées. D'accord qu'il n'y en a pas parce qu'on voit même pas d'impact de balle. Allez, on y va. Et ben, on va faire. Au moins, les drones ne laissent pas de traces au sol. Hein. Quand ils tombent du plafond, derrière ça, il n'y a plus rien. Attendez, je vois que vous m'interpellez, je vais vous le dire. Oh, bonjour Ronnie. Mais oui, je vais bien, et toi? Tu restes pas longtemps parce que... Attends, pardon, je suis pris dans mon jeu en même temps. Mais je tenais à faire un petit coucou et te souhaiter un bon direct à toi. Merci, c'est très gentil. Bah bon dimanche à toi, Ronnie. Oh, c'est adorable. Ouais, j'espère que ça se passe bien de ton côté. Mon dieu, il y a des cellules de prison. Oh là là, il y a personne dans la prison. La 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 la. Pas de pitié pour les araignées bioniques. Ouais, il y a de ça. Ah, c'est le niveau que je redoutais parce que je me souviens que quand j'y avais joué la première fois, j'en avais bavé. Ça avait été dur quoi. What the hell?
C'est l'ascenseur présidentiel, mais il a été démonté là. Voilà, ça c'est la mort, ça. Là. Ah, j'ai même pas, je perdais. Honnêtement, je crois que je m'étais fait une partie en plus difficile, niveau de difficulté élevé. Et là, je crevais à chaque fois. C'était une configuration de mort. C'était épouvantable. Eh ben, ouais, ça va tranquillou, Ronnie. C'est bien. Attends, je suis en train de me perdre dans le niveau là. Est-ce que j'ai bien fait le grand tour du... vache. Waouh, il y a des caméras partout. On est à 5 étages du grand Manitou, du grand chef terroriste russe là. Là, il y a un truc à faire. Bon, je devrais pouvoir faire les pièces maintenant. Wouh! J'ai la guerre. Mais jeux 3D, ils sont tous quasiment à base de moteur de Wolfenstein, là, le je sais plus comment on l'appelle, le truc Mush Engine. Je crois... Je crois savoir qu'il existe un éditeur de niveau universel. J'avais vu une boîte, j'étais vert le jour-là. J'étais, je sais plus, dans un magasin avec mes parents. Un Darty ou je sais plus quoi. Enfin non, je suis encore que... Non, Darty faisait déjà de... Enfin, peu importe. Et j'avais vu au rayon jeux vidéo, ils vendaient éditeur de niveau à la Doom, à la Wolfenstein 3D. Faites vos propres niveaux. Je crevais d'envie d'avoir ce programme. Et le problème, c'est que j'avais regardé les caractéristiques techniques du logiciel. Mon ordi, à l'époque, était pas assez puissant. J'avais juste la puissance pour jouer aux jeux les plus simples, comme le Flash 3D, mais je pouvais pas jouer à Doom. Mon ordi était pas assez puissant, j'étais dégoûté. Et il faudrait que je retrouve... Parce que je tomberai à coup sûr dans le panneau à avoir envie de créer mes propres niveaux. Corridor 7, là, que je vous ai fait il y a pas si longtemps que ça, avec les extraterrestres qui ont envahi la base américaine secrète. J'adorerais faire mes propres niveaux dans ce jeu. Celui-là aussi, ce serait rigolo que je me fasse un autre scénario avec des niveaux et des vilains terroristes à battre. Côté qu'il doit y avoir le mur qui coulisse, c'est pas possible. Ce n'est pas possible autrement. Attendez, je vais essayer d'atteindre cet endroit qui est visiblement est par là. Oh, il y a un vilain. Vilain, va mourir. Le mec il bougeait pas. Ah non, bah c'est ça que j'ai ouvert, c'est la grille avec le... D'accord, je viens de me faire avoir par le dessin de la carte en fait. Ah, je suis complètement largué. Je sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Ah. J'ai une bestiole mécanique. Il m'a fait peur. Oula, non merde, je croyais que c'était des... Le sommet des fanions, j'ai cru que c'était des araignées de plafond. Oh le dédale, je suis en train de me perdre. Je sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Ça part dans tous les sens. C'est fait exprès pour te retourner le cerveau. Et c'est réussi. Bon, ça j'ai fait visiblement.
Mais non, je suis déjà venu ici, oui. Alors attendez. Tac, 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 tac. Ah, j'ai pas fait cette pièce bizarre. Enfin, si je peux la faire. Attends, qu'est-ce que c'est que. Ah. Oh. Oula, je la sens pas. Oula, là, je vais. Ah! Panique. Ah non, c'est que des ordi avec des. Ok. Personne. Personne. Oh non, non, non. Let's rock. Ah! Salope. Yo, à toi-même. Merde! J'ai nippé. Merde, mon tir. Oh, c'est la guerre. La guerre thermonucléaire. Oui, Ronnie, il va bien. Il a répondu tout à l'heure, Nayonek. Ronnie, allez bien. Pour monter dans le fil de conversation, je me permets de répondre pour lui. Au moins, il n'aura pas de saisie de clavier à faire. Tout le monde ici? Ah ouais. J'ai fait ici aussi? Ah ouais, voilà. Ah, ça doit être dans ma partie du début que j'ai loupé du monde. Je sais plus, j'avais fait sur les côtés. Je crois. Mais oui, j'avais fait sur les côtés. Alors c'était l'autre côté que j'ai pas fait. Oh, bonjour cousin. Bon dimanche à toi aussi. Merci du coucou. Wow. Ah. C'est là qu'il y a les derniers ennemis. Ah bah c'est vert, j'ai gagné. J'ai la pastille verte, ça veut dire qu'il n'y a plus personne à liquider. Alors, il faudra peut-être que je m'en mette plein les fouines au niveau santé déjà, parce que je suis dans le jaune. Normalement, les il y a moins en moins de ressources. Plus j'arrive près du grand boss final, moins il y a de matos. Alors il faut que je néglige absolument rien. Attends, mais je comprends pas. Pourquoi j'ai pas. Ah! Oui, ok. Je sais même plus lire la carte de jeu, moi. Oh. Nul, le gars. Ouais. Ouais, c'est bien. Là, je suis au taquet, c'est cool. Je suis au taquet, donc je vais pouvoir me barrer au niveau suivant. Faudrait que je pense à sauvegarder d'entrée de jeu. Merde! Je suis à l'opposé de. Oh là 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 là! Je suis à l'opposé de là où je dois être. Alors, bah, ce fut court et bref, je vous quitte. Bon direct et bon dimanche. Merci, Ronnie! Eh oui, bah, je te souhaite bon dimanche à toi aussi. Bonne continuation à plus. Mais merci d'être passé, ça fait vachement plaisir. Merci tout plein. Oh là là, alors que j'ai des gommes défilent. On va finir le jeu de ce matin. Pardon. On va finir le jeu ce matin, puis après j'enchaînerai sur du Sonic Mania. Ça va être sport. Parce qu'il est tellement dynamique le Sonic Mania. L'intérêt est que j'ai les yeux bien en face des trous. Et je continue.
Oula, j'ai entendu le son de la déconnexion dans Windows. Je sais pas ce qui vient de se passer. Alors, il est vrai que j'ai plusieurs opérations informatiques au moment où je diffuse auprès de vous. J'en profite ce matin parce que là, le jeu, il demande peu de ressources. Je suis en train de me reformater un DVD RAM. Et je suis en train de me copier une partition avec des fichiers, histoire de gagner du temps pour la semaine. Et du coup, ça fait des bruits de connexion de connexion. Ah, ma webcam vous a lâché. Attendez. Le problème, c'est que vous voyez, dans le jeu, je suis en pleine action. Alors, l'idée de faire pause quand je me la joue Rambo, c'est un peu dur. J'aimerais que la cavalcade se calme un peu. J'en ai déjà abattu 23 dans l'étage. Oui, hydratez le... Mais je bois, je bois. Et Jack, il se met en retrait. Oui, bon retrait, il n'y a pas de souci. Oui, des connexions périphériques. Oui, bah oui. J'ai la webcam qui s'est mise en grève. Attendez. Bon, là, visiblement... Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle se met en grève? En fait, j'en demande trop à mon... Attendez, je reviens sur l'OBS. La webcam est demandée. Voilà. Normalement, c'est bon. Mais c'est pas dit qu'elle saute encore. Ah bah tiens, je vais en profiter pour corriger l'erreur. Voilà. Ah bah tiens. Mais... une bobinette à confetti. Ouais, bah. Ah là 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 là. Oh, dommage. Oui, je suis à 30% de ma grosse opération de copie de partition. Et normalement, j'avais même un... Je le vois plus. Ah, j'ai peut-être fini le formatage du DVD RAM. Hein. Il est peut-être prêt. Allez, on y retourne. Et là, je fais tout sauter. Je fais tout sauter le jeu. Donc, on en était à... Oh, ce papier peint des années 70. Oh, ce kitsch. Ah, ça, c'est beaucoup plus stylé comme mur. Oh la vache, je suis dans le rouge au niveau de la pastille. C'est-à-dire qu'il y a encore plein d'ennemis que j'ai pas liquidé la moitié. Il y a encore plein d'ennemis. Ennemi. Attends, il faudra revenir sur ce mobilier. Qu'est-ce que c'est que ce meuble? Il fait meuble en carton pâte à côté des autres. Bonjour, c'est la police du mauvais goût. Vous prenez une amende pour avoir pris un meuble de chiottes qui est dégueu et qui fait pas honneur à votre déco. Voilà. Même ça, j'ai pas fait, la porte elle est fermée. Et je me rends fou, je fais pas ça proprement. Ah oui, oui, munition. Attendez. Ça c'est fait. C'est littéralement un cul de sac. Oh non, ma webcam qui refait grève. Oh la vilaine. Attendez, je finis le niveau puis je la remets parce que j'ai l'impression qu'elle va le faire le yo-yo plusieurs fois là. Non, je demande trop d'énergie à mon ordi. Et il n'arrive plus à tenir tous les périphériques USB.
Oh là là, je suis quasiment mort. Comment qu'ils m'ont allumé les Mickey? Oh là là. Oh, comment veux-tu que je survive à ça, moi? Non mais je vais me faire abattre, mais alors... Avec une aisance déconcertante. Ah, je suis quand même dans le jaune, donc j'ai déjà abattu la moitié. Oh merde. Merde! Putain, la vache, l'autre, c'est limite s'il a pas dansé entre mes rafales de. De balles, l'autre. Là, comment je me suis fait narguer? Wow. Attendez, je vais sauvegarder parce que je la sens pas. Ouais. Et là, visiblement, il y a un mur. Après, c'est une réserve de. Ouais. Je veux bien. Ah! Pourquoi j'ai un bug? J'ai eu un lag! Le ordi s'est figé. Je suis en train de me faire dessus là. Au secours! Finalement, mon ordi, il aime pas que je lui demande trop de trucs en même temps. Il est plus aussi multitâche qu'avant. Sniff. D'ailleurs, je triche honteusement. Ça me permet de retirer un petit peu le chapeau pendant que la caméra est buggée. Je le remettrai juste après quand je rétablirai la caméra. Ça va me permettre d'apparaître devant vous avec le chapeau de cowboy plus longtemps tout à l'heure. Et voilà, je suis mort. Je me suis fait avoir. Bon, d'accord. C'est une occasion pour essayer de remettre la webcam. Donc je remets le chapeau. Je vous le dis, chapeau. Alors, la webcam dissidente, est-ce sa faute? Je ne crois pas. Ah, coucou, je suis de retour. Oh, ce beau son. Elle va se redéconnecter, je le. Je sens qu'elle va faire sa vilaine. Ouais, je recharge ma partie. Alors, je ferais peut-être bien de revenir sur mes pas et de rechercher de la santé. En espérant que j'ai déjà dégoté des valisettes de santé, parce que je suis pas sûr. J'ai cru qu'il y avait une araignée de plafond, mais au niveau du balcon. Le truc pas logique en soi. Où est-ce que j'ai pu voir des valisettes de santé? J'ai peur que ce soit nulle part. Ouais, je peux baisser le. Couper le jus. Oh merde! Putain, le mec, il a pas bougé! Ah. Ou alors il était tétanisé de peur, symboliquement parlant. Le gars, il avait une occasion en or de m'abattre, il l'a laissé passer. Eh, vous allez. Ah si, j'ai quand même un peu de santé, la vache. J'ai cru que j'allais me retrouver sans trousse de soins. Là, il y a du matos, non? Ah! Qui est con. Ah, le con, il m'a bien eu parce que je suis dans le rouge au niveau de la santé encore. Oh là là. Oh, le réflexe. J'ai le réflexe d'appuyer sur la gâchette avant eux. Ouais.
musique. Je sais pas comment vous vous trouvez, mais j'adore la musique du jeu. D'ailleurs, il faudra que je me réécoute les Corridor 7. Mais je suis pas sûr que je vous ai bien mis la musique. Quand j'avais fait Corridor 7. Ah si, j'ai des vagues souvenirs de musique, si si. Mais je vous avais peut-être mis la musique MIDI, pas la musique CD audio. Mais je vous le referai plus tard, le Corridor 7, parce que j'aime beaucoup le jeu. Surtout si j'arrive à construire mes propres niveaux. Et la webcam s'est encore mise en grève. Non, bah elle veut pas, la webcam. La webcam fait grève. Oh merde! Oh, comment j'ai fait me faire avoir? C'est... Ah! Cette configuration vicieuse. Ah oui, là, je reviens dans le... Oh là 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 là. Cette configuration de mort. Ouais, je pense que je les ai eus. Non, je les ai pas eus. Qui c'est qui m'a tiré dessus? Salopard. Là, j'ai eu à travers la baie vitrée. Oh là là. Papa, papa, papa. Mais je pense que j'ai fait ça. Oh là 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 là. Ah 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 ah. Attendez. Quand je lis la carte. Ah, j'ai pas fait ça. Mais attends, avant il y a un truc là. Ça doit être la carte. C'est quoi ce délire? Alors là, j'ai pas capté. Ou alors j'ai cassé le passage secret, je sais pas, il y a un truc qui bloque. Enfin bref, là j'ai pas fait, il faut que je le fasse. Oh, bonjour Deviant Jazz! Bon dimanche à toi! Oh oui! De la vie, mais à quel prix? Oh, c'est bon. Oh cool! Ah bah ça tombait à point nommé ça. Oui alors ma webcam elle est figée, hein. Je me bats pas avec, là je suis désolé. Elle fait grève. Elle aussi elle a des revendications pour la retraite. Alors. Oui mais ça c'est l'interrupteur. Passage secret. Ah oui, plus de santé. Ah, je suis à nouveau blindé comme il faut. Je dis oui. Je dis oui. Pas grave, Didier Jazz. Moi, la mienne, Shadow ne la reconnaît pas du coup. J'en ai pas. Ah oui, merde. Ah, bah ouais, des sanitaires. Avec ou sans terroriste dedans? Sans. Oh cool, j'ai une réserve de santé. Je me sens mieux avec la réserve de santé. Alors là j'ai fait. Attends, là, j'ai fait aussi.
Merde, j'ai du mal à savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Là, c'est... là, j'ai fait... Là, j'ai fait, visiblement. Personne sur le balcon. Là, je me demande où est le dernier ennemi. Où est-ce que j'ai merdé mon... Ah, on me tire dessus. Où ça? Ah, c'était lui. C'était eux. C'est vert, c'était eux. Eh ben d'accord, bon bah c'est bien. Je peux revenir faire le plein de vie et de munitions aussi. Donc c'est bien. Je vais encore sortir de ce niveau en ayant tout au taquet, ce qui est extrêmement rassurant. Ah, voilà, munitions. Là, je peux me boucher dans les munitions. Voilà. Et encore, je suis pas à fond. Les sanitaires étaient là. Il manque plus qu'un peu de munitions. Faut que je retrouve une... Voilà. C'est ça. Ah, il m'en faut encore. C'est effrayant. Rambo mode. Puis je me barre. Non, ça c'est les ascenseurs. Là, il y avait une réserve de munitions encore. Et je me prends du 9 mm, mais un truc de fou. Ouais, mais j'en avais pas. Voilà. Allez, je vais me contenter de ça. Trente-huitième niveau sur 40. Ouais, j'ai envie de dire à partir de là, ouais, je regarde à 8. Oh merde. Voilà. Attends, je vais d'ailleurs retenter de mettre la... La webcam une énième fois. Ouais, je pense pas que ce soit le... Je vais en demander trop à mon ordi en fait en même temps. Ouais, puis il a 40% du process le plus lourd. À mon avis, à midi, je suis encore dessus. Ouais. Comme j'ai lancé vers 9h. Peut-être que pour les camions, j'aurai retrouvé ma webcam. Faut espérer que j'en retrouve ma webcam pour les camions, moi. Ou comme on va bavarder, c'est plus sympa. Donc, je remets le chapeau de cow-boy. Je vois un coup d'ailleurs. On n'a rien vu. Oh, la webcam qui a déjà lâché. Non, mais elle veut pas.
Elle veut pas la webcam. Oh, quand je passerai à Sonic Mania, je vais peut-être changer exceptionnellement les branchements pour voir si ça peut aider la webcam à se maintenir au niveau du signal. Personne. Je provoque les petits couloirs, mais non, personne. Ouais, c'était sûr. Bon bah je vais commencer à ouvrir les portes. Évidemment, le corridor principal, il n'y a plus personne. Hein? Lance-roquette. Effectivement, je peux peut-être me faciliter la vie. Je vais me faciliter la vie. Voilà, je me suis ouvert un accès, enfin je crois. Oui, c'est bien. Ça me fait des raccourcis dans la carte. C'est pas désagréable. Bon, là j'ai une porte, faut pas abuser. Faut pas abuser dès qu'on est né. Ah bah c'est la porte. Ah bah c'est bien, j'ai pété le bout du truc où il y a la porte. Malin. Là pour le coup j'ai fait un tir malin. Parce que au lieu de me taper tout le dédale, hop, j'arrive au bout et j'ai la récompense. Qui sont des rats de Dragon Sky. Allez savoir pourquoi. Voilà, je refais ce que j'aurais dû faire si j'avais pas explosé le mur. C'est un des gros points forts du jeu, c'est qu'on peut exploser les murs au lance-roquettes. Ah, j'ai eu un bug. Eh, vous avez vu le bug? Oh, ce bug. Oh, je vois à travers les portes. Oula. Oula là là là. Faut bien saucer les colonnes. C'est n'importe quoi ce jeu. J'adore. Là il y a du monde. Oh, il m'a pas vu cet idiot. Il me tourne le dos. Wow. Là-bas il y a un robot, je le vois. Il y a encore du monde là-bas. Wow. Ah, le coup de pied dans la fourmilière. Bon, je suis rassuré d'avoir la pastille déjà jaune. Ça veut dire que j'ai liquidé la moitié des effectifs de l'étage. Comme vous le savez maintenant, je le répète quasiment à tous les étages. Alors là, je les ai bien truc. Ouais. Visiblement, mes balles, mon balayage au pistolet mitrailleur a fait des ravages. Alors, la pièce dite du milieu. Ouais, non, mais j'ai plus rien à faire. Let's walk.
Ah. Ah ouais. Bouchons-nous dans les munitions à la Rambo. Il y a pour le coup les murs, ils sont pas prêts. Alors attends, est-ce que j'ai loupé une pièce ou pas? Ah! Il y a une pièce planquée. On y accède comme ça. Ah! Détecteur thermomouche, mimouche. Thermomouche, mimouche. Oh merde! Il y a un mec qui se déplaçait ou un robot. Oh la vache! Je dis tiens, je vois un pixel qui bouge sur la Minica. Là j'ai tout fait, ouais. Ouais, là il y a du monde, non? Ah non. Ouais, du coup là j'ai personne non plus. Ah, les bureaux sont vides. Là pareil, j'ai personne, mais j'en regarde quand même. Ring pour la déco. Oh, putain, mais fait peur ce con. Alors que j'ai la... j'ai la carte qui me donne leur position. Alors là, ça vaudrait le coup de tirer une roquette, là. Parce que si je veux faire un raccourci rapide, c'est ici qu'il faut le faire. Voilà. Coucou, journée porte ouverte. Pa. Ah, il y a du monde. Il y a du monde. Ah, des petites trousses de soins. Les trousses qui font du bien. Ah, j'ai vu qu'il y avait un autre terroriste dans les autres toilettes. Là, il y a du monde. J'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu, tu es mouru. Salut. Bonjour Dragon Sky. J'espère que tu vas bien. En ce dimanche matin. Donc tu ne t'étonneras pas que ma webcam est figée. Je la remettrai tout à l'heure. Oula, il y a du monde. Il y a deux types. Il y a lui et... Il est où, studio? Ah, le là. Là, il y a encore un type. Il est au fond de la pièce. L'autre, il attend paisiblement dans le salon. Bon, là, il n'y a personne. Par contre, là, il y a du monde. J'ai envie de dire, pour une fois qu'il me sert le truc thermo-machin, là. Oui, bon, là, il n'y a personne. Je suis pas dans le vert. Ça veut dire qu'il y a encore... Il y a encore de la populace en vie. La question est, où sont-ils? Oh, vous allez voir que je vais courir après un dernier ennemi qui est planqué dans le trou du cul du monde. Ah bah voilà. Un truc dans le jardin. Là, là, là. Bonjour, bon dimanche à tous. Ouais, c'est pas grave que ta caméra ait sauté, du moins que c'est pas le jeu. C'est ça. Comme tu dis, tant que c'est pas le jeu. Non, mais je pense que j'en demande trop au niveau de la charge électrique de mon PC. Là, j'abuse. Je le mets sur les genoux et il fait grève. Il fait grève. Ah, j'ai pas fait. Ça doit être le dernier. Celui qui est au chiottes, ouais. Celui qui était au chiottes qui était le dernier. Bon, bah c'est bien. J'ai nettoyé le 38e étage sur 40. On finit le jeu ce matin.
J'allais connaître la fin. Je vais me battre contre le vrai grand boss de ce jeu. Putain, j'ai quoi? Il me reste 4 requêtes. Je pourrais tirer 4 fois pour... Bon, ce qui m'attriste, c'est que j'ai plus d'armure. Oh, attendez. Ah oui, j'ai pas ouvert cette salle. Qui est une salle de réunion. Bavardage avec... vue sur la ville. Sympa. Sympa, sympa. Il n'y avait pas de l'armure quelque part. Alors, Torota dit, fais attention le sage, si ta cam fait grève, on peut se retrouver dans le Terminator envahissant le monde. Ouais, dans les fictions. Mais j'avais déjà parlé Skynet Terminator hein, au niveau des lois européennes. Ils ont interdit le fait qu'il y ait des automates autonomes qui puissent ôter la vie à... Voilà, de manière générale. Donc les militaires, si vous voulez, n'ont pas le droit de faire de Terminator. Mais en ce qui concerne le développement des intelligences artificielles, même militaires, il y a approbation de l'Union européenne. Donc, on interdit les Terminators, mais on autorise le développement de Skynet. Cherchez l'erreur. Si on respecte la fiction. Bon, allez, je vais me barrer de là. J'ai déjà gagné. Je vais même pas jouer avec les roquettes. Mais un jour, je ferai une partie de ce jeu en mettant au hasard les ennemis, le mode R random. Et je jouerai peut-être aussi avec les codes triche, histoire de faire n'importe quoi. Juste pour délirer, quoi. Save game. Putain, le mec, il sait même plus ce qu'il veut faire. Eh oui, réglisse. Pardon. Alors, on voit que on approche, on est à l'avant-dernier étage et on est au sommet de l'immeuble qui a été bombardé. Il y a eu visiblement une tentative pour... voilà, je rétablis l'électricité. Une tentative de tout faire péter dans l'étage. On est proche de la fin. Oh le mec! J'ai failli me faire avoir, le gars il dormait au sol, j'avais pas vu que c'était un mec. Je croyais que c'était un débris en fait. Oh le gars il dormait au sol. Oh la vache, il y a eu des échanges de tirs, un truc de fou. Wow. Wow, il y a un Rambo. Merde, j'ai marché sur le cadavre piégé. J'ai con. C'est la guerre. C'est l'assaut final. Fiu. Comment ça fiu? Ah oui, pour le... C'est vrai que j'ai un lance-lame. Là, c'était des beaux bureaux, il y a tout à cramer. C'est la guerre. Ah, il t'invite à faire usage des roquettes. C'est le grand final. Un coup d'explosion à la sauce américaine. Là. Chez la guerre. Cette carte de fou furieux. Comment se retrouver dans le... Comment se retrouver paumé, oui. Oui, mériterait que je tire à la roquette pour ouvrir des murs, là. Je crois que c'est ce que je vais faire. César, ouvre-toi. Deux fois. Voilà, là, je crois que je vais pouvoir passer. Même pas.
qu'est-ce qui t'a révulsé, mon cher Torota? Oui, c'est la musique, K-Space. Attends, je vais te lire, Torota, tu m'intrigues. Tu m'intrigues dans le propos. Eh, hey, le mur, il est incassable, je suis deg. J'ai perdu mes roquettes. Ouais. Alors, il y a une chose qui m'a révulsé. Depuis au Japon et en Chine, c'est une intelligence artificielle qui tient la tête d'une société. Un essai de mémoire. L'IA peut virer les gens, mais n'a aucun ressenti humain derrière. Et tu peux pas discuter non plus, vu que c'est un robot. Ça commence à devenir n'importe quoi. Ah bah, il y a plein de dérives au niveau des intelligences artificielles. Bonjour, Christella. Oui, le visage concentré et la caméra figée. Je remettrai la caméra de tout à l'heure parce qu'elle arrête pas de sauter. C'est un jour où la caméra a décidé de faire grève, je suis désolé. Donc au moins, vous voyez ma frimousse avec le chapeau de cow-boy. Mais en état 1, 2, 3, soleil, ce bug. Bon, évidemment, le gars il est piégé, boum. Mais je peux passer. Malheureusement, il n'y a rien d'intéressant. Bombo! C'était le Rambo. Le Rambo. Oh mon Dieu! Pas trop comment gérer la situation. On est proche de la fin du jeu, c'est la guerre. Ouais, ça va bien que c'est là, c'est cool. Ah, ah. Il y a le feu qui se répand. Il y a trop de cadavres là. Vache. Ah, il fait chaud ici. Putain, c'était d'anciens sanitaires. Je vous dis pas les chiottes. Il y a les flammes qui courent. Allez, Rambo de mes deux. Merde, j'ai entendu quelqu'un gueuler. Salaud. Ah, lui dort. Il dort pour toujours maintenant. Oh là là. C'est pas con l'usage du fuel sur les cadavres piégés, ça marche? Je vous avouerai que j'ai jamais essayé. Si j'essaye c'est horrible, hein, de flamber les... Toi, tu vas péter le feu. Voilà. Ah non, ça marche pas sur le... Bof. Ah, je pensais que je pouvais faire... Je suis déçu. Oh, le carnage! Tout le monde qui s'est fait abattre. C'est horrible! Le jeu est horrible. Oh, bonjour, Olive qui tue. Qui vient de remonter, hein. Laisse-moi t'allumer, vilain terroriste. Ah, Rambo. Ouh, il aime pas les flammes, le Rambo. Qui vient de remonter, Olive, un crêpe rouge. Et chez Beau. Ah oui. C'est le réveil le plus chaud que t'as jamais eu, mon gars.
Oh là 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 là. L'avant-dernier étage, ce suspense. L'avant-dernier étage en enfer. Je sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce qu'il y a à faire, je ne sais plus. Je suis perdu. Ouais, c'est horrible. Je l'ai rôti. Ah ben voilà. Pack d'essence. De toute façon, c'est le jeu qui m'invite en plus à faire usage de ça. La première fois que je vois carrément des bidons d'essence qui sont proposés dans le... Et moi, je pense que c'est les vilains terroristes qui voulaient faire cramer l'immeuble. Ils voulaient transformer l'immeuble de X étages en flambeau au milieu de la ville. Là, non, y a rien. Oh, appui d'ascenseur cassé. Ils ont caché l'ascenseur. Il y a du monde ce matin. Je voulais voir le sage rien que pour moi. Mais non, j'ai troll. Il est bête. Qui limite. C'est vicieux comme configuration de lieux. Ah oh, ouais, j'ai pris la roquette. Non, j'ai pas pris la roquette. Ah bah j'en ai pas besoin. En fait, j'en ai encore tout plein. Je suis au taquet. Ah, merde alors. Je ne partirai pas sans avoir abattu tous les terroristes. Le problème, c'est qu'il faut la retrouver. Alors, je sens que ce niveau va me faire tourner en bourrique en rond pendant une demi-heure, là. Parce que vu la configuration chaotique des lieux... C'est la merde. Oui, oh, Fed Fan, il va arriver vers les 11h. Pareil, combien qu'il va se manifester à 11h11, me connaissant. Oh, je me douche dans les pistolets mitrailleurs, c'est horrible. Je vais pouvoir faire mon Rambo. I see a stick to Rambo. Oh, bonjour, Crucial. Comment que ça va, Crucial, en ce dimanche matin? Ah! Wouh! Ce qui s'appelle se faire allumer. J'arrive même pas à lire la carte tellement que le niveau est complexe. Tiens, d'ailleurs, je vais m'ouvrir un passage si je peux. On va voir. Je vais essayer de m'ouvrir un passage au lance-roquettes. Apparemment, on peut pas. Merde, dommage. Tant pis. Ou alors, je le fais là. Oh merde! Oh bah je peux recommencer, je me suis tué là. Je pensais pas que j'allais avoir le souffle de l'explosion aussi proche. Ouais ça va, c'est cool. Donc ça va bien Crucial. Bonjour Bastos! Ouais la cam elle est figée. La cam je la mettrai plus tard. Cam pas cool, tiens, ça va être le nom de la sauvegarde. Cam pax. On dirait que je fais du latin. La cam pas cool. Oh Bastos, si tu te manifestes à moi cette heure-ci, j'ose espérer que t'es un dimanche en congé. Je me trompe? C'est un de tes rares dimanches où t'es en congé. Si c'est le cas, ça fait plaisir. Ah, je suis ravi pour toi Bastos. Bon repos à toi. En tout cas, merci à vous toutes et toutes d'être là. Je suis ravi de pouvoir égayer votre dimanche matin. Caméra figée, j'en suis navré. Mais je suis bien là. Hic. Oh merde! Ça fait office de mur invisible. Oh, il y a des bugs par moment. C'est dommage. C'est dommage.
Oh, j'étais là jour, nuit. Bon, j'ai pas liquidé tout le monde. J'ai pas liquidé tout le monde. Oh là 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 là. Je vais. Il faudrait que j'explose des. Attendez, je vais voir si ma théorie est juste. Si je tire là, je détruis les cadavres. Mais il m'a pondu un mur invisible devant moi. Mais c'est quoi ce bug? Mais c'est pas logique. C'est nimp. Ah bah repose-toi. Repose-toi, Liv, qui tue, y a pas de souci. Mais c'est déjà gentil à toi de venir te manifester par ici. Amuse-toi à la pêche, tout simplement, je sais que t'aimes bien ça. Y a pas de souci, va. Je comprends bien. Je peux passer, mais quand je tire, il me le considère comme un... C'est fou, ça. Là, si je tire sous cet angle... Voilà, bon là, du coup, j'ai loupé le cadavre. Visiblement, il... Ah si, il est piégé. Bah. Ouais, alors, ok. Je vais pas m'en sortir. Je vais pas du tout m'en sortir. Ah merde! Je croyais que je pouvais provoquer la... Je croyais que je pouvais provoquer l'explosion des cadavres. Mais même pas. C'est vraiment piégé. Je marche dessus, je suis foutu. Oh la vache! Ça me rajoute une tension supplémentaire. Merde. Puis il faut que je regarde bien par où je suis passé. Où est-ce que j'ai loupé des trucs. On va pas se mentir, c'est balèze. Alors le côté là. Attends, si j'y vais comme ça et que je rencontre un ennemi, c'est un peu violent quand même. La confrontation tête à tête avec un lance-roquette, c'est un peu violent. Je crois que j'ai pas fait cette partie, du coup je sauvegarde. Wow. Oh là là, ah oui, c'est là où il y a un bug. Enfin bon, tant pis. Je sais que j'étais du côté après. Je prends tout de suite les SIA au sol parce que je vais éviter de revenir. C'est balèze. Oui, Dragon Sky, je vois que tu m'interpelles. J'ai optimisé ma PS4, j'ai changé le disque dur pour un SSD, c'est nettement mieux. Avant pour les temps de chargement bien plus courts. Oui, bah tu m'étonnes. Je sais plus, je l'avais prise là. Ouais, attendez, pardon, j'essaye de rester concentré, de voir où est-ce que j'ai loupé mon nettoyage de niveau. Ça, normalement, j'ai fait. C'est un épouvantable carnage. C'est la guerre. Allez, les chiottes au milieu du couloir, j'adore. Là-bas, il y a les flammes. Ah, il y a des trucs par là. Ah, c'est chaud. Ah, que c'est chaud. Santé, machin. Hop là.
Oh! Merde, j'ai mis le pied sur un... un cadavre piégé, du coup. Merde. J'aimerais tellement avoir le truc thermosensible. Ça m'aiderait à bien fouiller le niveau. Là, ils sont morts. Je finirais bien par trouver celui qui me résiste. Oh bah merde alors. C'est pas possible. Aïe 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 aïe. Alors attends, là il y avait un autre... Il est où le dernier ennemi que j'ai pas débusqué? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là! Non, c'était pas lui! Il y en a encore! Oh mon dieu, c'est horrible! C'est le jeu de la musique, Dragon Sky. C'est le jeu de la musique. Aussi, les bugs de divers jeux sont beaucoup moins fréquents. Alors ça, par contre, j'explique moins. Le fait d'avoir remplacé le disque. Mais c'est bien, hein! Si t'as que des gains, Dragon Sky, forcément, on va pas cracher la soupe. Il doit y avoir une petite encoche, une planque quelque part où il y a encore un de ces salopios terroristes qui dort au sol que j'ai pas vu. Je vais devoir le débusquer pour le trucider. Ah, il y a des munitions. En même temps, j'essaie de lire la mini-carte pour me dire est-ce que je suis pas à côté d'un passage secret. D'un enfoncement ou je sais pas quoi, mais vu l'état de la de l'étage, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah merde, j'ai tout en rond. Mais non, mais il est où le dernier ennemi? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Où est-ce qu'il est? C'est pas possible, c'est pas possible. Merde. Attendez, j'arrive plus à lire la carte tellement qu'il y a de trucs. Si je peux aller par là-bas. Là, ça m'intrigue. Là, je crois qu'il y a un passage secret, mais je vais me le faire à l'ancienne. Voilà. À l'ancienne, ça veut rien dire. À la bourrin, oui. Non, c'était pas un passage secret. Mais au moins, j'ai créé un raccourci. Donc, j'évolue déjà plus vite dans le niveau. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Mais il est où ce mec? Il est où ce mec? C'est pas possible. C'est pas par là. Là, je sais que j'ai fait. Attends, là je vais là. Ici il n'y a plus rien, selon moi. Ici il y a peut-être un... Je suis dans quelle pièce? Là j'ai fait... Alors j'ai l'air nigo dans ma manière de me déplacer, mais... Je m'assure d'avoir rien loupé. Là, j'ai fait normalement. Il y en a une un peu plus loin, je l'ai faite aussi. Ouais. Oh la vache! Attends, il y a un truc dans la longueur qui me perturbe. Il y a un truc qui me perturbe en haut de la carte. Comment je l'atteins?
Je vais me faire un raccourci là aussi. Attends, je recule bien parce que ça devient violent. Voilà. Là-bas. Oh, qu'on démarre. Il y a des chiottes relevées. Mais attends, il y a un truc que j'ai pas fait. Là, j'ai pas fait. Ah non, ça donne rien. Ok. J'y ai cru. On va y arriver. On va débusquer le dernier. J'y crois. Cette pièce vachement grande. Elle donne sur rien du tout. Incroyable mais vrai. Elle ne donne sur rien du tout. Merde, j'ai marché sur le cadavre. Débile. Ah, FunFan s'est réveillé. Enfin, du moins, se manifeste à nous. Bonjour, FunFan. Avec tout le boucan que t'as fait, la roquette, l'ennemi se balade. Oui, c'est possible, Dragon Sky. Oui, visiblement, tout le monde va bien. C'est cool. Ah, mais il est où, le dernier ennemi? Je suis sûr qu'il n'y en a plus qu'un. Ah, il est peut-être là. Il est peut-être là. Il est peut-être là, bougez pas. On y croit. Oui. J'ai gagné. J'ai gagné. On l'a trouvé. Encore le lance-roquette en cadeau. Tant pis si j'ai pas l'armure à fond, mais je vais me barrer de... Je vais me barrer du niveau. Et on va se faire le grand méchant au prochain étage. Et normalement, il y a plein de... Ce qui est chiant dans le dernier étage, c'est qu'il y a des otages. Il y a dans le scénario, quand vous le lisez, il vous dit qu'il y a la plupart des dirigeants du monde entier qui sont prisonniers du terroriste au dernier étage de la tour. Donc ça va être la guerre. Merdoum, l'escalier de service, il est là-bas. Allez, on prend le bon flingue et on y va pour l'assaut final. Oh, ce sera même avant 16h, Dragon Sky. Je risque de diffuser le camion à partir de 14h. Là, derrière, pardon. Derrière ce dernier niveau de du jeu, je vais faire du Sonic Mania. Et allez, je vais remettre la caméra un petit coup, mais vous allez voir qu'elle va sauter dans la seconde qui suit. Je suis de retour. Ah, vous voyez, elle tient pas. Oh, elle veut même plus s'activer. Ça y est, ça bug. Votre ordi est en train de grave bugger. Non, je fais activer et désactiver, elle veut plus. Perdu. Ah. Si je changeais de port USB, mais je pense pas que ça marche. Attendez, je vais faire un petit essai quand même. Ow. Ça me permet de me dégourdir un peu les jambes aussi. Donc, si je débranche ça, c'est la manette. Là, la manette, je m'en sers pas dans les médias. Oh, le fait d'intervertir, je pense pas que ce soit la bonne idée, mais bon, on peut toujours essayer de jouer la provoque électroniquement. Ah, alors, si je fais activer. Ah, pour le moment, là, elle veut bien tenir sur le port USB, là. Pourquoi pas? On va voir. Je retourne dans le jeu. Je retourne dans le jeu. Je remets bien mes pattes.
Hop là. Alors. Hop. Bon, bah visiblement. Pff, avec un moins 35. Mais non, Dragon Sky, moins 35, n'importe quoi. On continue. C'est là, c'est au final, c'est le dernier étage. Vous allez voir le grand méchant, le grand blond avec ses yeux du diable. Il est là. Tapis dans l'ombre. Il sait que son heure est venue. Oh, vous avez vu le... On voit que c'est le grand grand combat. Avec tous les drapeaux États-Unis. Gower, toi-même. Il n'y a pas de Gower qui tienne. Oh Rambo. Y'a un Rambo! C'est la guerre! Ah! Wouh! Wouh! Oh, bonjour Harry Roster! Bonjour le Baron Live! Oh, merci à vous toutes et toutes d'être de venir! C'est bien, et vous arrivez au bon moment. Alors j'espère que vous allez tous bien. Vous arrivez au bon moment. Je suis au dernier niveau du jeu. Pour ceux qui connaissent pas la fin, si vous avez pas peur de vous divulguer ce bon vieux jeu de Operation Body Count, où la plupart des dirigeants du monde ont été pris en otage par un grand vilain de terroristes russes. Je vais finir le jeu dans quelques minutes. C'est le dernier étage de l'immeuble des États-Unis, enfin des Nations Unies, à New York ou à Washington, je ne sais plus. Mais je suis au 40e et dernier niveau. Et ça va être un final à la Rambo. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de Zik, c'est peut-être voulu, ou alors j'ai fait bugger le CD de musique. Oh la vache. Non, c'est la musique qui est complètement délirante, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Ah, ils ont mis des mines. Les Rambo allaient mourir. Terroriste. Ça y est, je suis déchaîné, vous m'avez perdu. Non, faut pas marcher sur les mines. Oh, les vilaines mines. Et puis, je peux pas y aller à l'explosif parce qu'il y a des dirigeants du monde entier à sauver. Alors, je sais plus où ils sont. Ils sont pris en otage quelque part. Oh la vache, les mines. Oh. Ils en ont pondu tout le long du corridor. Bonjour, Tomo. J'espère que je loupe pas des phrases de vous. Comme ça. Arrr. J'entends un... C'est le chef de terroriste qui est devenu complètement barge. Il se prend pour un loup-garou. La 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 la. Qu'est-ce que... Non, il y avait personne là. Il y avait personne. Oh mon dieu! Ce suspense insoutenable. Oh, mais il y avait un passage secret là. Enfin, secret. Ah bah non, c'était les trousses de soins. Mais il n'y a rien d'autre. Ah, il n'y a rien d'autre. C'est... Ok. C'était le corridor du soin. Mais attendez, il n'y a pas un... Ah si! Oh ma jette! Oh là 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 là! La réserve du combat final. C'est le combat final qui va se finir avec une volée de balles. Une volée de bois vert.
Ah, je sais plus la signification de l'expression et l'origine. Dire que quelqu'un va se prendre une volée de bois vert. J'avais entendu l'explication. Elle est belle en plus, l'explication. Mais je sais plus du tout ce que c'est. Attendez, je deviens fou là. Mais pourquoi j'ai pas accès à ce truc? Je pige plus. J'ose pas faire mon entrée à la Rambo parce que si je déclenche un explosif et qu'il meurt. Mais si, c'est ça en fait, je suis déjà rentré dedans. Ah, subterfuge. Subterfuge du démon. Le baron l'a dit, je passais faire un coucou, je pars en famille, amusez-vous bien, pour faire des bisous. Ah, bon dimanche à toi le baron. C'est bien, profite de la famille, t'as bien raison. En espérant que vous ayez le beau temps. Moi je suis, alors je suis déçu et heureux en même temps. Pourquoi? Au niveau de la météo. Je suis content parce qu'il pleut. Et nos terres ont besoin de pluie, des nappes phréatiques, etc. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, pendant le camion. Mais du coup, il y a de la grisaille, donc le soleil. Du coup, là, je suis resté, moi, volet fermé. Hein. Vous me voyez à la lumière artificielle. Terroriste! Ah! Pourquoi il m'a pas tué, lui? Il avait l'occasion de me buter, il m'a pas buté. Voilà les principaux dirigeants du monde entier. Les voilà, les otages. Et ils sont muselés. Bâillonnés. C'est un scandale. C'est un scandale. Il est où le grand méchant? Il est là! Il est quelque part le grand méchant. Il est où? Ah! Oh. On reconnaît bien Macron. Excellent Bastos. Voilà. En fait, il avait un lieutenant qui le protégeait, un nouveau type que j'avais pas vu. Et le gars, il a rigolé, il s'est évaporé. Oh! C'est quoi cette vidéo? Je la connais pas. Je me souviens pas de la fin. Wow, le mec qui ressort en héros, il a sauvé un gosse avec son jouet. C'est le fils du président. Youpi! C'est fini! 183 525 points. J'ai gagné. Oui, c'est tout. Oh, c'était assez modeste, les fins dans les jeux vidéo 3D comme ça à l'époque. Oui, pas faire de politique. Oh, c'était. Mais c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, FunFan. Mais c'était pour vanner sur. Sur le personnage politique pris en otage. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les fins étaient assez modestes dans les jeux 3D comme ça. C'était pareil, le précédent que je vous avais fait, qui était Corridor 7. Et d'ailleurs, j'ai déjà oublié comment ça se finissait. Ah si, on voyait les États-Unis, Washington, sous les feux d'artifice. Et ils disaient un écran textuel codement en disant « Vous avez reçu la médaille du mérite, les honneurs du pays, vous êtes un héros et fin du jeu. » Voilà. ça va pas plus loin. Mais je me souvenais pas le coup du gamin avec le nounours. C'est... Waouh. J'ai gagné. On va faire du Sonic Mania. Donc je le referai, je sais pas quand, mais en mode délirant what the fuck. Sûrement avec les codes triches pour délirer et tirer au lance-roquette à tout va. Et avec des ennemis placés au hasard. Histoire de mettre le gros boxon. Mais il faudra que je recherche un éditeur de niveau. J'adorerais faire mes niveaux. Je vais encore tomber dans un piège de chronophage. Enfin bref. Est-ce que c'est le dernier jeu avec le moteur Wolfenstein 3D? Non, c'est un des premiers. Parce qu'en fait, des jeux... Je te rappelle que je me suis offert, il y a un an ou deux, toute la collection des jeux à base de ce moteur-là. Donc en plus, je viens de te dire que je suis en quête d'un éditeur de niveau. Méfie-toi. Si je trouve que je fais mes propres niveaux, je serai capable de vous les présenter sur mon antenne. Il reste une dizaine de jeux. Dans le même genre. Il faut que je toi, t'as déjà fait le... Merde, comment ça s'appelle?
Merde, la webcam s'est mise en grève. Comme par hasard.